Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une bonne croustade aux pommes du sud-ouest. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Faut pas confondre avec la tourtière, hein, qui est des Landes, la Gironde. La tourtière, ça se fait avec sur une grande table, on étale une pâte, on la fait très très fine et ça fait comme de la pâte filo. C'est extraordinaire aussi, mais ça, sans gluten, c'est dur à faire. Voilà. Donc aujourd'hui, cette croustade, on va la faire version sans gluten ou avec gluten, avec sucre ou sans sucre, comme vous voulez. Vous choisirez avec beurre ou sans beurre, de la margarine, comme il vous plaira. Je vous mettrai les proportions dans la description et vous choisirez les ingrédients que vous voulez. La base, ben, je vais vous la montrer. Regardez ce beau mimosa qu'on m'a offert. Il a passé quelques jours dehors, ça fait presque 5 ou 6 jours que je l'ai. Il est beau, hein? J'adore le mimosa, je ne sais pas si vous l'aimez. C'est une magnifique fleur, hein? Ouais, c'est très très délicat, hein? Magnifique. Alors, le secret, je ne savais pas. Quand on habitait, on avait une maison dans les Landes, avant, de vacances. Je ramassais beaucoup, je coupais des tiges de mimosa. Mais j'avais la fâcheuse idée de le rentrer. Et pour qu'il se conserve, il faut le mettre sur une fenêtre ou un balcon. Et voilà, parce que là, quand on le rentre autrement, il flétrit, enfin, il se referme. Voilà. Donc là, je l'ai juste mis pour faire la vidéo avec vous, pour vous en faire profiter de ces beaux brins de mimosa. Ça sent terriblement bon. Je suis allergique, mais bon, je ne vais pas y rester trop longtemps. Mais bon, c'est plus spectaculaire qu'allergène quand même, hein, le mimosa. Dans les Landes, on voit souvent, ou dans les pays à la Méditerranée, ou dans toutes les régions où il n'y a pas trop de gelée. Quoique c'est quand même assez résistant. Les voitures sont toutes blanches, toutes jaunes en principe. Les rues, là où il y a des mimosas, c'est très, 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 très jaune après. Mais ce n'est pas très, très allergène quand même, je pense. Parce que là, je voyais déjà, je commencerai à éternuer, à avoir les yeux qui piquent. Ah, vous entendez Jaja boire. Allez, j'arrête d'être bavarde. Donc, je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Moi, j'achète la pâte feuilletée sans gluten, la marque Repère. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire très bien une pâte que vous avez sur ma chaîne, la pâte keto, la pâte brisée salée, brisée ou bon, je ne trouverai pas le nom, mais ce n'est pas grave. La brisée ou pas feuilletée. Bon, ce n'est pas grave. Vous l'avez sur ma chaîne, je vous la mettrai dans la description. Vous pouvez faire deux pâtes comme ça, deux boules de pâte, et puis, parce qu'il en faut une pour le dessus et une pour le dessous. Voilà, il faudra deux pâtes feuilletées. Moi, j'aime bien celle-là. Ou la brisée. Voilà, la brisée. Allez, il vous faudra un petit peu de beurre. Ou de la margarine, comme vous voulez. Là, je vais mettre du beurre, je n'ai plus du tout de margarine. Et puis des pommes, hein, surtout, c'est la base. On va faire une compote. Une compote où on gardera aussi des morceaux de. On va les couper en petits cubes. Pourquoi? Parce que c'est sympa, elle va commencer à bien fondre et puis il y aura quelques petits endroits où il y aura encore des morceaux de pommes. Surtout pas les écraser. Nous, on l'aime comme ça. Voilà. Alors, je dédie cette vidéo. Alors, bon. Je continue. Il faudra de la vanille liquide. Vous pouvez mettre du rhum. Normalement, certains y font mariner toute une nuit les pommes dans l'armagnac. Moi, j'aime pas trop, hein. C'est très fort. Les enfants, ils n'aiment pas trop, donc je n'en mets pas. Et puis, il vous faudra un peu de sucre de coco ou le sucrant que vous voulez, hein, ou l'érythritol, la stevia, ou pas du tout de sucre aussi. Moi, j'en mets très peu dans la confiture, dans la compote. Voilà. Il vous faudra un moule, mais vous pouvez très bien faire dans votre moule à gâteau, moule à tarte. Ça conviendra très bien. Moi, j'aime bien ça parce que ce moule à pizza, parce qu'elle sera bien croustillante aussi dessous, l'air va bien passer, l'humidité surtout. Voilà. Et bien voilà. Et après, on va la faire cuire cette compote au cookéo. Ça va cuire 10 minutes, mais si vous n'avez pas, vous faites à la casserole avec un petit fond d'eau. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, et bien on va démarrer la recette. Hein. Allez, on va peler les pommes. J'en ai quelques 3 ou 4 rabougries. Donc je vais les passer aussi dans la. Celles-là, elles sont un peu plus
Donc, vous utilisez des golden, ce qui vous fait plaisir comme pomme, hein, ce que vous aimez comme pomme. Voilà, ce que vous utilisez d'habitude pour faire de la compote. Voilà. Donc, c'est tout simple, je ne vous apprends pas à appeler les pommes. Hein. Vous le savez. Celle-là, je ne sais pas ce que c'est comme variété. Je ne sais pas du tout. C'est mon mari qui les a achetées. Je n'ai pas les lunettes de vue là. Voilà, donc on va commencer. Hein. On va appeler les pommes. Et on va les couper en carré. Allez, donc on va couper les pommes, les peler, les couper, les évider, les couper en 8. Hein, donc, et après, vous faites les morceaux que vous voulez. Vous pouvez les faire un petit peu plus gros hein, si vous aimez les petits morceaux. Parce que c'est quand même bien, ça a bien cuit au cookéo. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau. Moi, j'en avais mis parce que j'ai récupéré un peu le jus des pommes, c'est délicieux. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous mettez tout dans votre cuve. Un petit peu de vanille liquide et le sucre de votre choix. Là, j'ai mis du sucre de coco. Là, la variété de pommes est assez sucrée, c'est de la Chantecler. Allez, on a fermé le couvercle. On appuie sur marche. On va aller en position manuelle. Cuisson sous pression. 10 minutes. Départ immédiat. Voilà, c'est en préchauffage. Et voilà, ça va cuire gentiment. On n'a pas besoin de surveiller. On est tranquille. Donc vous, à la casserole, vous le surveillez un petit peu de temps en temps. Vous remuez avec une petite cuillère en bois. Voilà, comme quand vous faites la compote, hein. Et puis un quart d'heure, 20 minutes, ça doit cuire. Les pommes doivent rester un petit peu encore en morceaux, hein, suivant comme vous l'aimez. Voilà. Je rêvais de manger une croustade. Il y a la famille qui est revenue de la Bastidette. D'ailleurs, je salue ma nièce et son compagnon et les enfants. Anna, c'était son anniversaire. Elle a fêté ça avec des belles croustades de la Bastidette. Je félicite le boulanger-pâtissier, je ne sais pas s'il verra un jour la vidéo. Je leur fais un petit coucou et j'ai rêvé de manger de la croustade sans gluten, parce que moi je suis sans gluten. Donc ben, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire profiter tous les membres de ma chaîne, tous les gourmands qui aiment les bons produits du Sud-Ouest. Voilà. Donc merci encore d'être aussi, comment dire, délicat dans vos mets et dans toutes les pâtisseries que vous faites, parce que vraiment j'en ai mangé un petit bout, je me suis régalée quand même, mais j'aurais bien mangé toute la croustade, je ne vous cache pas. Voilà, donc merci de nous avoir envoyé cette belle croustade. Voilà, et donc là ça va cuire, là je vais aller manger un petit bout. Et puis aujourd'hui il a neigé au petit matin. Donc c'est tout blanc, je vais aller vous faire des belles photos. Vous rigolerez peut-être parce que peut-être que vous vous rafraîchirez avec cette recette si vous la regardez en plein été ou au printemps où il va faire très chaud peut-être. Voilà, donc ça vous fera plaisir. Cette petite croustade, elle est délicieuse avec une petite boule de glace. Quand on la sort du four, on attend un petit peu que ça tiédisse et on s'en sert une part. C'est vraiment très bon. Même froid, on peut la manger comme ça. On peut la repasser un petit peu au four, préchauffée, pour la faire un petit dire, un petit peu comme la galette des rois. Enfin, la frangipane. Voilà. Allez, sur ce, je vais aller déjeuner parce que c'est 1h15, j'ai pas 13h15, j'ai pas encore déjeuné. Et puis, la compote est en train de cuire. Et on va se faire ça. C'est très vite fait à faire. Hein. Si vous ne voulez pas vous casser la nénette, vous achetez un pot de compote toute prête, bio si vous pouvez. Et vous la faites avec la compote, tout simplement. Hein. Vous pouvez vous y mettre des petits morceaux de compote de pommes un peu coupées au travers et vous faites cuire. Hein. Voilà. 180 minutes, 30 ou 40 minutes. On verra, je vous dirai à peu près combien ça faisait, parce que là c'est de la pâte sans gluten, mais vous pouvez très bien la faire avec une pâte brisée ou feuilletée, comme vous voulez. C'est meilleur avec le feuilleté, je trouve. Voilà, vous avez la pâte aussi toute prête de ma chaîne, si vous ne supportez pas les pâtes toutes prêtes aussi, hein, parce que ça, des fois, on ne les digère pas très bien, hein, sans gluten. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la pâte que je fais, vous la doublez,
vous doublez les proportions, presque toutes, et vous la séparez en deux et vous l'étalez au rouleau et vous faites la crostata de pommes avec version pâte keto. Là, c'est une pâte keto. Et puis, vous pouvez changer la compotée aussi, hein, pour ceux qui font le keto. Vous pouvez très bien faire avec d'autres fruits qui sont moins glucidiques que la pomme. Voilà. Ce que vous avez droit, à part ceux qui sont en libéral ou modéré. Ceux qui font le keto strict, c'est sûr, vous ne pourrez pas le manger, mais remplacez par un autre fruit. Voilà. Pourquoi pas de la chaillotte, il faudra que j'en fasse. Une chaillotte bien corsée avec beaucoup de rhum, de. Tiens, j'en ferai une crostata de pommes version keto. Allez, c'est une idée. Allez, on se retrouve. Allez, on enlève bien le jus de la compotée. Et là, on va mettre une première pâte. Alors, votre pâte sans gluten ou avec gluten, hein, vous voyez ce que vous aimez, mais de préférence quand même feuilletée. Et là, on pique. On y met les petites pommes. J'ai retrouvé la variété, c'est de la Chantecler. Elle est vraiment très très bonne celle-là. Hein. Très parfumée, elle est extraordinaire. Donc là, on va y mettre par-dessus l'autre pâte. On va bien joindre les bords. Faut bien bien appuyer parce que vous verrez pendant la cuisson sur un côté, sur deux petits côtés, ça c'est un petit peu ouvert, mais bon, c'est pas grave. Ça permet aussi à ce que la pâte ne gonfle pas par le dessus. Hein. On y fait un petit trou au milieu. Vous verrez. Et puis on fait le petit dessin avec un petit couteau. L'envers d'un couteau, ce que vous avez. Hein. Là, je la retourne, c'est très important. Alors, si vous le faites avec la compotée chaude, faites-le très vite, le retournez. La retourner parce que ben, vous avez vu, ça commençait déjà un petit peu à coller au plat. Alors, le mieux, c'est de faire refroidir la compote. Hein. Voilà, je l'ai mise de suite bouillante, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, ça n'a aucun effet puisque ça n'a pas fait de. Mais bon, elle était un petit peu abîmée, mais ça n'a pas donné. Vous voyez, j'ai fait le petit trou là. Ça ne se voit pas après la cuisson. Là, je bats un œuf entier. Le reste, vous le ferez en omelette. Et vous allez badigeonner bien la croustade qui va partir au four. Je me suis trompée tout à l'heure. 30 minutes à 180 degrés. Voilà, c'est parti. Regardez les amis, comme elle est belle. Waouh, on va se régaler, on va se régaler. Regardez ça. Voilà cette merveille. Voilà, laissez un peu refroidir. Là, elle est un petit peu, c'est un petit peu esclaffé, mais c'est pas grave. Hein? Regardez l'intérieur. Miam, miam. Voyez, bon, j'ai pas trop trop bien scellé les bords, mais c'est pas grave. Hein? Les morceaux seront entiers. Elle est trop belle. Allez, on va la laisser refroidir un peu. Et on va se la manger un petit peu tiède là. Là, ça va être mon 4 heures. Je ne vais pas attendre les autres ce soir pour manger. De toute façon, il faut que je finisse le montage et vous la poster pour ce soir. Allez. À tout à l'heure. Miam, 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 miam. Une bonne croustade sans gluten. Youhou! Eh bien voilà les amis, il fallait que je la fasse, j'ai oublié de brancher mon micro. Voilà là. Là sur ce, il marche, oui, ça y est. Mais trop tard, regardez, j'ai commencé à manger la part. J'avais fini la vidéo, je me suis aperçue que je ne l'avais pas faite. Que je ne l'avais pas branchée. Bon, allez, c'est pas grave. Hein. Regardez cette merveille. Regardez.
cette belle croustade aux pommes. Elle est magnifique, magnifique. Le feuilleté est splendide. Cette pâte de marque-repère, elle est vraiment géniale. Vraiment géniale. Alors, vous voyez, le fait d'avoir tourné la croustade, vous avez vu quand je l'ai basculée, Cyril Lignac et les grands chefs le font, les pâtissiers, ils tournent après. Et c'est ça qui donne finalement de l'épaisseur, parce qu'avant elle était toute fine comme ça. Vous voyez, là encore elle est un peu fine. Mais là, vous voyez, il y a de l'épaisseur, ça fait 2 doigts presque. Vous voyez, regardez. Voilà, ça gonfle bien. Super. Donc j'ai fait la photo, je vais redéguster avec vous là, le peu qui me reste. Avec Jaja, on s'est régalé, elle a mangé un petit peu de compote, vraiment délicieuse. Regardez ce feuilletage, ça déborde. Elle est vraiment très 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 bonne. Essayez de la faire, hein. Partagez sur les réseaux sociaux. Venez nous rejoindre sur Keto Econome Natoche, sur Facebook, sur Instagram. Sur Keto Econome Natoche, on partage nos recettes. Et puis tous les jours, je fais un post, quoi de bon dans vos assiettes. Et puis on partage, on marque en quel mode alimentaire on est. Et on partage nos petits déjeuners, nos déjeuners et nos dîners. Voilà. Allez, je vous embrasse depuis notre sud-ouest. Dès qu'il va encore neiger, ben, s'il neige encore cette nuit, on se mettra au coin du feu, puis on se coupera une petite part de gâteau. Non, moi je peux pas. Avec mon reflux, je ne peux pas. Gastro-œsophagien, je fais attention, je ne mange pas. Entre les repas, il faut faire attention. Là, j'ai 2-3 heures de digestion, donc ça va, je pouvais goûter. Et de toute façon, il fallait que je vous poste la vidéo ce soir. Donc là, je vais faire le montage, et puis ce soir, vous l'aurez sur. Sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Allez, Adichat, les amis, pâtissez bien. Essayez cette recette, vous me direz dans les commentaires. Et à une prochaine. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous faire. Je verrai bien si je vais avoir de l'idée. Allez, testez cette belle croustade du sud-ouest. Vous allez vous régaler. Adichat, les amis.